Salut tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un super tuto d'un magasin Carrefour. J'espère vraiment que le tuto va vous plaire. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit like, petit défi 300 likes. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour être au courant de chacune de mes prochaines vidéos. Alors les amis, le tuto d'aujourd'hui c'est donc ce magnifique magasin Carrefour. Donc voilà, il est vraiment très sympa. Ce tuto se fera en 3 épisodes. On fera un épisode pour ici, donc le magasin en lui-même. On fera un épisode qui concernera l'extérieur avec la création du parking, de la petite route ici avec le camion. Et on aura une troisième vidéo où on fera l'intérieur du magasin avec du coup la décoration de l'intérieur, d'accord? Donc pour le tuto, on va se retrouver tout de suite. Hein, je vais vous dire les différents blocs à prendre et ensuite on commencera le tuto. Ok, donc voilà les amis, on se retrouve. Je vais vous dire maintenant les différents blocs que l'on va prendre. Donc on a les feuilles d'acajou, les barrières en bouleau, le béton blanc, le béton rouge, le béton bleu, les vitres teintées en noir, le bloc de béton gris, les boutons en pierre et les dalles de roche lisse. D'autres blocs vont s'ajouter à cette liste par la suite, mais ne vous inquiétez pas, je vous dirai les différents blocs à prendre. On va commencer directement le tuto, donc par ici, hein, le bâtiment central, hein, en prenant le béton blanc. Donc on va commencer, donc laisser de la place devant votre bâtiment, parce que vous voyez qu'on a le parking qui prend quand même pas mal de place. Donc laissez vraiment de la place devant votre bâtiment pour vraiment faire l'accès au parking et pas que voilà, le parking se retrouve sur votre route, d'accord? On commence directement, on prend le béton blanc et on va venir tout simplement ici au sol et on va placer 4 blocs. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va laisser 7 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, on recommence 4 blocs comme ça. D'accord? Donc voilà. On va ensuite ajouter 10 blocs en hauteur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis, vous allez tout simplement monter donc comme ça, regardez bien, jusqu'en haut. Ok, parfait. Quand c'est fait, on va venir ici au niveau du dernier bloc. On va faire 1, 2, 3 et on fait ça pour ici l'ensemble du mur. C'est parfait. Quand c'est fait, on va venir juste là, hop, et on va ajouter 3 blocs. 1, 2, 3, on fait ça pour tout le mur. Ok, très bien. Quand vous avez fait ça, on vient ici et on va ajouter 4 blocs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous faites ça tout le long ici, jusque là. Hein, du coup, vous mettez comme ça 4 blocs supplémentaires comme ça. D'accord? Ok, très bien. Quand vous avez fait ça, on va revenir ici à l'avant. D'accord? Et on va tout simplement venir ici. Regardez bien. Hop, là, on va ajouter 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, comme ça. Et pareil pour ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hop, 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 comme cela. Parfait. Quand c'est fait, vous allez à présent prendre le béton gris clair. On va venir sur notre gauche. Et on va pouvoir ici ajouter 15 blocs en venant ici au niveau du milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pareil. Du côté droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est parfait. Donc on a fait ça. Ensuite, on revient ici et on va pouvoir ajouter, alors si je me trompe pas, c'est 23 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On fait exactement la même chose de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et ensuite, on peut relier du coup nos murs ensemble. Donc vous venez et hop, on relie tout simplement nos murs comme cela. C'est parfait. Une fois qu'on a fait comme cela la structure, on peut maintenant ajoutez 5 blocs en hauteur partout. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites ça sur l'ensemble
de notre rectangle ici. On va se retrouver juste après. Ok, parfait les amis, quand c'est fait, vous pouvez prendre maintenant les dalles de roche lisse. On va venir ici à ce niveau-là, d'accord? Comme cela. Et on va tout simplement entourer l'ensemble du magasin avec les dalles. Hein. Donc ça, je vais le faire avec vous. On fait ça comme ça tout autour. Ok, parfait, vous refaites la même chose. Ici, vous venez un demi-bloc au-dessus. Et on refait exactement la même chose. Ok, parfait, quand c'est fait, vous prenez maintenant le béton gris et la terre cuite sciant. Et vous allez ici, tout simplement, alterner entre les deux. Regardez bien comment je vais faire. Vous mettez une fois sur deux le béton gris et une fois la terre cuite sciant. Vous faites ça ici pour l'ensemble hein, de la structure, d'accord. On va se retrouver juste après. Très bien, quand c'est fait, vous reprenez maintenant les dalles en roche lisse et vous allez compléter l'ensemble du toit, donc l'ensemble du toit avec la dalle roche, de roche lisse. Faites ça jusque de l'autre coin là-bas et on va se retrouver tout de suite. Ok, parfait, quand c'est fait, vous prenez maintenant les vitres teintées en noir. Donc hop, les vitres teintées en noir, elles sont ici, parfait. On va venir ici au niveau de l'entrée. Vous allez faire ici sur votre gauche 1, 2, 3 et pareil à droite 1, 2, 3. Pareil au milieu 1, 2 et 3 comme cela. Vous reprenez ensuite les dalles de roche lisse. On vient ici, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Très bien, comme ça. Ensuite, vous refaites ça juste là comme ça. Très bien. Vous reprenez les vitres teintées en noir et vous complétez ici l'espace manquant. Donc on comble le vide avec les vitres teintées. Ok, parfait. Quand c'est fait maintenant, on va tout simplement... Alors attendez hein, que je ne me trompe pas. On garde les vitres teintées en noir, on vient ici. On laisse 3 blocs d'espace, 1, 2, 3, et puis on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord? Et encore une fois, il faut qu'il y ait 4 blocs en hauteur. On laisse de nouveau 3 blocs, 1, 2, 3, et on recommence le même processus comme cela. On fait la même chose sur notre droite. Donc on laisse 3 blocs d'espace, hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tac, 3 blocs d'espace, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc vous mettez la vitre teintée en noir à l'intérieur. Ok, des deux côtés. Hein. Ok, très bien. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre maintenant les barrières en bouleau. On va en placer à chaque fois au milieu. Regardez bien, une là et une là. Pareil sur la droite, une là. Attendez, voilà, ici, là et là. Vous prenez les feuilles que vous désirez. Moi, je vais prendre la feuille d'acacia et je vais à chaque fois placer deux blocs pour avoir nos petits arbres. Tout simplement pour ajouter un peu de décoration. Ok, une fois que c'est fait, vous allez prendre les boutons en pierre. On va rajouter un peu de décoration, un peu de détail et vous venez en placer tout simplement au-dessus de nos fenêtres. Super! C'est parfait, vous allez prendre maintenant les piliers. Alors les piliers, les murets, vous appelez ça comme vous voulez. Bref, c'est ici, voilà, les murets en... Alors nous, ce qu'on va prendre, c'est les murets en andésite. Et on va commencer déjà en venant sur notre gauche ici au coin. Et on va faire 1, 2, 3. D'accord ? On fait ça jusqu'en haut. Très bien, pareil sur la droite. Ok, on fait ça également à l'arrière, donc juste là, hop, au niveau du coin à l'arrière. Et l'autre côté également. Ok, parfait. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, ça commence à ressembler un peu à quelque chose, hein. Au niveau des détails, maintenant, on va faire le logo Carrefour qui se situe ici au niveau du milieu. On va venir avec le béton rouge, tout d'abord.
on va venir hop ici. Et là, regardez bien, on vient juste ici, hein, donc au niveau de la gauche, au niveau de la vitre, on va juste là. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, comme ça. Ensuite, on fait ici 1, 2, 3, et puis 1, comme cela. Là, on a déjà la partie rouge qui est faite. Maintenant, on prend le béton bleu. Alors, le béton bleu qui est ici. Ok. Vous prenez le béton bleu, vous allez venir là. Juste ici, vous allez faire 1, 2, 3, comme ça. Puis 1, 2, 3, 4, 5, comme ça. Puis on fait 1, tac, comme ça. Puis on recommence 1, 2, 3, 4, 5. Puis 1, 2, 3, et puis 1, juste là. Et voilà, on obtient le logo Carrefour. Alors, il n'est pas tout à fait centré, mais bon, faut vraiment regarder. Regardez, ici, en fait, on a deux blocs d'espace et ici on a trois blocs d'espace. Mais bon, après faut vraiment regarder pour voir la différence. Si on regarde pas trop, bah voilà, le logo il paraît vraiment centré. Donc c'est parfait, le logo étant fait. Au niveau de l'extérieur, alors si je me trompe pas, j'avais rajouté, ouais, vous voyez des petits piliers également ici. Hein. Donc je vais regarder un peu niveau espace 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ici, puis c'est 3 d'espace. Ok. Donc là c'est 4 puis c'est 3. Ok, très bien. Donc on va commencer directement avec ce mur-ci. Donc on laisse 4 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4. Et là on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 comme ça. Pareil en venant de la gauche ici. 1, 2, 3, 4 blocs d'espace. Et on fait ça comme ça. Très bien. Puis on a dit 3 blocs. Hein. 1, 2, 3 blocs d'espace. 1, 2, 3 blocs d'espace. Et on fait ça. Donc là il y a 4 blocs. Alors, si je me trompe pas, attendez, la 4, et puis ici, c'est 3 blocs d'espace, de doom. Alors, comment ça fait que moi, j'ai 4 blocs, c'est pas grave, peut-être que le mien ici est un bloc plus grand, mais c'est pas grave. Donc, on fait 4 blocs, comme ça ici, avec les piliers, 4 blocs d'espace hein, pour le mur. Donc c'est parfait, une fois qu'on a fait ça, on a donc terminé pour ce mur là, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient ici, hop, là on laisse 4 blocs, 1, 2, 3, 4 blocs d'espace, on fait 2, 2, 2, parfait. Là-bas on fait la même chose, 1, 2, 3, 4 blocs d'espace, on refait la même chose. Puis 3 blocs, 1, 2, 3 blocs d'espace. 1, 2, 3 blocs d'espace, c'est parfait, on est égal. Hein. Et voilà, on a fini avec le mur là également. Alors là, pour le coup, c'est bon, je pense. Je regardais au niveau du trottoir combien j'avais fait. Mais bon, ça, on fera plus dans la partie 2 avec le parking et tout ça. Hein. Puis l'intérieur, ce sera aussi dans la partie 3. Et au niveau du derrière, ouais, j'avais fait des poubelles, ça, je vais les rajouter directement maintenant. Donc, les poubelles, on prend les chaudrons et on prend les tapis verts, les tapis jaunes et les tapis rouges. Et après, il y a ça aussi, mais ça, c'est pas obligatoire. Donc, vous venez à l'arrière du magasin, vous prenez les chaudrons, vous venez un peu où vous voulez. Moi, personnellement, je vais laisser 3 blocs d'espace et hop, vous faites ça comme ça. Et vous mettez les tapis par au-dessus, ça nous fait des grosses poubelles. Hein. On va dire que c'est des poubelles différentes pour le tri des déchets. Du coup, c'est très bien. Et puis moi, ce que j'avais fait, c'est qu'ici, pour faire un peu plus de décoration, bah voilà, j'avais fait ici, hop, 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 un petit parterre de fleurs. Donc, hop, très simple, hein, vous voyez. On laisse 2 blocs d'espace là. On laisse 2 blocs d'espace ici. Et vous faites ça, puis vous rajoutez les fleurs de votre choix, comme c'est un magasin Carrefour où il y a de la couleur rouge, ça peut être sympa par exemple de mettre des rosiers pour rappeler un peu le côté rouge du logo. On peut essayer de le faire un peu rappeler ici bah, à l'arrière du magasin. Mais bon là c'est vraiment comme vous voulez. Hop là, parfait. C'est très bien, je pense les amis que pour l'extérieur du tuto on est bon. Je pense ne rien avoir oublié hein, dans l'extérieur. Je vais les vérifier. Je pense qu'on est bon. Alors vous voyez que là c'est vrai que le truc là je l'ai fait autrement. Peut-être le faire de la même manière du coup. Peut-être le faire de la même manière. Alors ce que j'avais fait,
Alors attendez. Bon, après, si vous voulez laisser comme ça, vous pouvez le laisser. Hein, ça, c'est pas une obligation hein, de changer. Alors moi, du coup, j'avais fait ça. De quelle manière j'avais fait ça? Comme ça, je pense. J'avais fait ça. Tac. Comme ça. Comme ça. Hop là. Et puis, j'avais rajouté ça comme ça. Très bien. Donc voilà les amis, on a fini pour le premier épisode de ce tuto. J'espère vraiment, en tout cas, que cette petite série Carrefour va vous plaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser votre plus gros like. N'hésitez pas également à vous abonner, comme ça vous serez au courant de chacune de mes prochaines vidéos, si vous activez la cloche, bien évidemment. En tout cas, les amis, c'était Cardex. On se retrouve assez vite pour l'épisode 2. J'espère vraiment que, en attendant, vous allez faire ce tuto. C'était Cardex. Salut à tous!